Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir quelques concepts avancés pouvant être manipulés avec l'application Grasp Bubble Math. Nous verrons les expressions algébriques, les équations, les inéquations et les systèmes d'équations. Démonstration de la simplification d'une expression algébrique. À la fin, on voit qu'il est possible de faire une mise en évidence simple. On peut suivre les différentes valeurs et les différents termes à l'aide de l'outil Scrub. Deuxième démonstration, résolution d'une équation avec une variable. Pour terminer, on fait une copie pour vérifier la valeur de x dans l'équation du départ. On remplace x dans l'équation initiale aux deux endroits où on a un x. Le x est remplacé par 8. Et on vérifie l'égalité. Troisième démonstration, résoudre une inéquation. Pour faire le symbole d'inéquation, on reste appuyé sur la touche égale. On fait apparaître à ce moment-là les symboles d'inéquation. Lorsqu'on divise les deux termes par un négatif, on peut voir que le symbole d'inéquation s'est inversé. Dernière démonstration, résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables. La méthode utilisée va être la méthode de substitution.